Bien, pour moi, la piqûre est venue lors de mon doctorat, quand j'ai réalisé que la recherche, et oui, c'est un travail en laboratoire, mais c'est également des découvertes qui aident justement à des meilleurs traitements. Un des objectifs qu'on a actuellement, c'est justement de traduire ces découvertes-là, éventuellement des meilleurs soins de santé. Par exemple, on sait que la nutrition est très importante pour prévenir le diabète de type 2. On est en train de découvrir dans plusieurs aliments des molécules qui ont des propriétés thérapeutiques intéressantes. Puis on veut exploiter ça dans les prochaines années, justement, pour traduire nos découvertes en des meilleurs soins de santé. Ce qui me passionne dans mon travail également, c'est la perspective de voyager. Également des échanges au niveau international pour faire de la recherche. Par exemple, en ce moment, on a une très grande collaboration avec le Brésil. Donc, on a plusieurs échanges étudiants entre les étudiants de l'Université Laval et de l'Université de São Paulo au Brésil. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant de voir le choc culturel et de voir comment on peut faire évoluer la recherche dans deux pays qui sont en théorie très différents. J'adore écrire. D'ailleurs, c'est ce qui me fait comprendre pendant mon doctorat que j'étais fait pour être plus chercheur que travailler dans le laboratoire parce que j'aime l'écriture, j'aime la communication.